force qui constitue ce nouveau Front populaire. Vous le voyez sur ces images, c'est la France insoumise. La France insoumise qui jubile. Vous êtes sur place, Anthony Lebos, c'est place Stalingrad, dans le nord de Paris que ça se passe. Oui, explosion de joie ici des militants de la France Insoumise, plus largement des militants de gauche qui sont réunis ici, place Stalingrad dans le 19e arrondissement de Paris. Il y a des cris, il y a des gens qui s'enlacent, il y a des yeux humides, parfois des pleurs, beaucoup de drapeaux aussi insoumis vers la gauche de cette place, des drapeaux français, des fumigènes aussi qui commencent à être allumés. C'était clairement pas le résultat qui était attendu il y a quelques heures par la gauche. Les visages fermés et tendus ont laissé place au sourire. Dans quelques instants ici, il y aura aussi des prises de parole qui vont s'enchaîner, notamment de Jean-Luc Mélenchon, dans les toutes prochaines minutes.